Salut à tous les amis, c'est Stéphane, très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle d'une application pour avoir son réseau social privé. Let's go! Alors, cette application en question, les amis, elle s'appelle FamilyWall. Elle est disponible sous Android et sous iOS. Et en fait, c'est un espace privé pour vous et vos proches qui vous permet de partager seulement entre vous et en toute sécurité. Avec cette appli, vous pouvez créer un espace de partage dédié et confidentiel. En fait, c'est un peu comme Facebook, mais à usage privé. Avec cette application FamilyWall, vous pouvez facilement organiser des événements familiaux, partager des photos, localiser certains membres, envoyer des messages à un ou plusieurs membres et partager des contacts, comme des contacts d'ailleurs importants, tels que médecins, pharmacies, écoles, etc. Seules les personnes qui appartiennent à votre cercle, donc de famille ou d'amis, auront accès à toutes ces informations. Il faut évidemment que eux aussi, pour le coup, aient installé FamilyWall. Avec cette application, vous pouvez lancer aussi une conversation avec un ou plusieurs membres de votre cercle, c'est-à-dire en fait chatter via cette application, ni plus ni moins. Ce que j'ai pu observer, c'est que les différents partages se font facilement et sans contraintes particulières. Alors les amis, il y a deux versions. Une version gratuite et une version payante. La version gratuite, elle offre 100 mots de stockage. Alors, ça fait pas beaucoup, mais si vous ne partagez pas beaucoup de photos, ça peut être suffisant. En tous les cas, pour essayer l'application gratuitement, ça peut être suffisant. On peut se faire une bonne idée de l'application, en fait. Quant à la version payante, elle, à 4,99€ par mois, elle offre évidemment beaucoup plus de choses. Alors, c'est 4,99€ par mois, mais sans engagement. Elle offre notamment la localisation en temps réel des membres de votre cercle. Elle alerte sur l'arrivée ou la sortie de certains lieux, certains endroits des membres de votre cercle. Là, c'est notamment utile pour savoir où sont les enfants. Dans cette version payante également, il y a un bouton SOS pour alerter, pour notifier tous les membres du cercle. Elle offre non plus 100 mots de stockage comme la version gratuite, mais 10 gigaoctets de stockage pour l'ensemble des membres du cercle. On peut aussi poster des vidéos et des messages audio. La sauvegarde des photos se fait en HD. Bon, vous voyez que la version payante, elle offre quand même beaucoup plus de choses. Mais encore une fois, si vous êtes intéressé pour essayer cette application-là, la version gratuite peut suffire en tous les cas pour avoir un bel aperçu de l'application. Après, à vous de voir. Donc de toute façon, les amis, si cette application-là vous intéresse, les liens sont comme d'habitude en dessous de cette vidéo dans la description. Alors, pour moi, les points positifs de cette application, elle présente plutôt bien et l'organisation et le partage des informations se fait plutôt facilement. Le point négatif, le tarif de 4,99€, alors pour pas dire 5€, hein, pour moi me semble un peu cher. On parle évidemment par mois et sans engagement, je le rappelle. Je pense qu'un tarif à 3€ par mois aurait été peut-être plus attractif. Mais encore une fois, je vous présente cette application-là parce que la version gratuite peut largement suffire. Voilà les amis, je voulais vous présenter cette application-là, FamilyWall, qui moi, m'a bien plu. Dites-moi si vous la connaissez dans les commentaires, peut-être que certains d'entre vous l'utilisent déjà. Alors si vous avez aimé cette vidéo, bah, mettez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à la partager sur vos différents réseaux sociaux. Vous savez que les miens de réseaux sociaux sont en dessous de cette vidéo, dans la description, comme d'habitude, ils bougent pas. Vous pouvez retrouver mes deux dernières vidéos en cliquant sur les fenêtres qui apparaissent là et sur mon logo pour vous abonner à la chaîne YouTube, si ce n'est pas encore fait. Les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Plein de bonnes choses à vous. Salut !